En fait, je sais pas quoi vous dire. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer, 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde, je vois ces jeunes visages et je pense... Je vais vous dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre deux âges puisse faire, d'accord? J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus.